Kenny Bruni dans la catégorie agriculteur a quant à lui avec RecycleBan le projet de produire une banane agroécologique par la combinaison de pratiques et l'équilibre fertile du sol. Partons à sa rencontre. Au Bruni Kenny, l'agriculture pour moi est une passion comme a transmis mon grand-père lorsque j'étais petit. Et depuis 2016, j'ai fait de cette passion ma profession et j'en suis fier. En plus de la banane, je détiens un élevage bovin en semi-liberté sous les parcelles en jachère. Il y a aussi une partie boisée non exploitée. Et un élevage au vin, grâce à une collaboration des instituts IT2 Sigadinae, nous avons des moutons de service qui nous permettent de gérer l'enherbement et amender le sol via leur déjection. Nous mulchons ces cotins pour justement permettre une multiplication de l'activité biologique du sol. Nous rapportons aussi énormément de matière organique dans les parcelles en jachère, avant plantation et sous bananeraie. Justement, cette matière organique, pour lui permettre de se dégrader et d'être assimilable par le matériel végétal, nous utilisons des biostimulants et des fertilisants bio-augmentés en complément d'un lixiviat de hampe de banane produit ici même sous la propriété. Justement, pour attirer les vers de terre dans le compost où sont stockés les hampes, nous introduisons du carton cellulose pur de l'exploitation et quelques déchets de mon ménage. Ce qui nous permet d'avoir une activité bactériologique du sol amplifiée et qui prend le relais des intrants chimiques. Ma satisfaction, c'est que je récolte une banane de qualité agroécologique et en plus j'ai des rendements très satisfaisants. Ce concours, pour moi, est un très bon moyen de communication puisque ça me permet déjà de proposer mes idées. Et j'aimerais aussi que ce système de culture soit étudié de manière plus approfondie, à l'aide bien sûr d'analyse de sol et de profil de sol, pour pouvoir permettre à l'ensemble des filières cultivatrices guadeloupéennes de faire un grand pas vers la transition écologique et enfin permettre à la Guadeloupe, le monde agricole guadeloupéen, d'avoir son empreinte sur la lutte contre le réchauffement climatique. Je remercie l'organisateur du concours, la région et ses partenaires. Mes partenaires, ma famille et mes proches, et mon groupement LPG et les instituts qui m'accompagnent dans tous mes projets.